de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Quelqu'un est là. Amen. Si tu ne parles pas avec l'autre aujourd'hui, avant de sortir ici, il faut lui demander pardon. Même si c'est lui qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, si tu sors comme ça avec cette chose-là, cette malédiction va te ronger. Si tu ne parles pas, si tu as des rancunes, des personnes avec qui tu ne parles plus, avant de sortir du culte aujourd'hui, pardonnez-vous les uns les autres. Parce que la Bible nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Et priez afin que vous soyez guéris. Amen. Avant de sortir de l'église, il faut le faire, sinon cette malédiction va te suivre. Alléluia. Tu es vivant. Oh my God. Oh mon Dieu. Il y a tant de bipoutis qui nous empêchent de voir des merveilles du Seigneur. Il y a tellement des pruneaux, des prunes dans l'œil des gens ici qu'on peut enlever. Oui, qui nous empêchent de voir les merveilles du Seigneur. Alléluia. Pourquoi on le sentait qu'on a été? Pourquoi tu n'adresses plus la parole à ton bien-aimé? Mais yokana prière. Mais écoute pendant que tu pries. Seigneur, pardonne. Seigneur, limbisanga. Pardonne-moi, Seigneur. Limbisanga, comme je pardonne. Lokola na limbisanga. Ceux qui m'ont offensé. Bah oh, bah salinga ma bé. Motano na lokuta. Oh, c'est là qui m'a bé, aux yeux de pardonner. Si tu t'es offensé, tu ne pardonnes même pas. Comment ennemi na yé. Tu deviens son ennemi. Mais tu dis devant le Mais Seigneur. Devant le Seigneur, comme je dis, pardonne. Seigneur, je pardonne comme tu me pardonnes, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Dis encore oh. Mais c'est toi, non? Il s'agit de toi, non? Merci, Seigneur. Que l'Éternel bénisse son œuvre. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu répand sur nous. Amen. La rosée de son amour. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, my God. Amen. Et qu'il change nos vies. Complètement. Ok. Amen. Complètement. Qu'il change complètement nos vies. Complètement. Viens me transformer. Nzambe, yako bongo langa. Viens me transformer. Yako bongo langa. Permets que cette parole pesa ete liloba oyo puisse me laver. Et sokolangai. Fier. Que cette parole me lave. Et sanctifie ngai. Que cette parole me sanctifie. Permets que cela puisse me sanctifier. Permets, Seigneur, que cette parole me sanctifie. Permets que cela puisse me sanctifier. Permets que cette parole me sanctifie, Seigneur. Que cela ne tombe ni à gauche. Et que cette parole ne tombe ni à gauche ni à droite. Qui est la première personne qui peut demander pardon à son ami, à son frère ou sa sœur? Quelle est la première personne qui est en rancune avec un bien-aimé qui décide d'aller demander pardon à la personne? Viens, ma fille. Viens, ma fille. Sois béni d'abord. Jusqu'à ce que tu arrives là, tu es béni. Qui est encore une autre personne? Qui est cette personne qui va aller, qui vient demander pardon? Qui sait que moi aussi? Et qui sait que lui aussi a des rancunes et qui veut demander pardon à son Alléluia. Bien-aimé. Alléluia, viens ma fille. Double bénédiction, s'il te plaît. Double bénédiction comme tu viens ici. Une autre personne encore. Une autre personne aussi. Venez, n'hésitez pas, ça c'est l'Esprit de Dieu. Et pendant que je prierai pour vous, cette malédiction ne reviendra plus. Au nom de Jésus. Qui encore? Quelle est encore cette personne qui a des rancunes, qui veut demander pardon? Veut pardonner. Non seulement il veut demander pardon, mais qui veut aussi pardonner. Quelle est cette personne qui veut demander pardon et libérer cette personne, pardonner? Mais vous êtes là. Mais venez. Venez tous, venez. Je ne vous demande pas l'argent. Oh. Moi, je ne vous demande pas de m'apporter de l'argent. Amen. Mais moi je vous demande la repentance. Moi je vous demande la repentance. Venez. Venez. Même si la personne ne se trouve pas ici Même dans si cette salle. Même si la personne que tu veux pardonner n'est pas dans la salle. Alléluia. Tu es vivant. Venez. Venez devant. Pardonnez. Et pardonnez. Il y a des gens. Il y a des gens parmi vous. Vous portez en vous un fardeau lourd. Des fardeaux lourds.
Tu portes ce fardeau contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Beaucoup de filles ont été violées. Et viola bango. Vous êtes là avec des rancunes que je ne dois pas pardonner. Alléluia. Je dis encore, venez confessons ensemble ces péchés. Dès que vous êtes là, tel que vous êtes ici devant, commencez à demander à Dieu merci Seigneur. Et dites merci Seigneur. Aujourd'hui, aide-moi par le Saint-Esprit que je puisse pardonner la personne depuis le fond de mon cœur. Depuis le fond de mon cœur. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la guérison. C'est ça la guérison. Il a guéri, il guérit le cœur brisé. Le cœur brisé. Peut-être. Peut-être que ce n'était pas toi qui étais en tort, mais c'est l'autre qui t'avait fait du tort. Et peut-être Yopoza n'a tort. Et peut-être que toi aussi tu es en tort. Tu as eu la grâce aujourd'hui. Mais tu es là. Kasiovani. Tu ne veux pas te lever. Olingi kote le maté po ya olimbisa. Si tu fais ton rêve après ici, je ne suis pas responsable. Amen. Si tu n'honores pas tes parents, toi-même tu sais, lève-toi, viens, encore. Si toi tu reconnais viens, cette ton malédiction cœur, va partir. Si tu reconnais que tu n'honores pas tes parents, alléluia, viens, on va prier pour toi cette et que cette malédiction va te partir. Laisse. Cette malédiction va te laisser. Oh my God. Au nom de Jésus. Même si tu ne respectes pas ton mari ou ta femme. Vous n'êtes pas en harmonie. Semblant vous faites des semblants devant les gens. Comment vos prières vous accèdent? Lève-toi si tu es conscient que tu te conduis de la sorte. Lève-toi. Quelqu'un a pris ton argent. Quelqu'un qui a pris ton argent, tu ne pardonnes pas la personne parce qu'il a ta dette et ne paye pas. Venez. Venez. Oh my God. Mon Dieu. Ma fille, il faut pardonner. Tu ma as fille. Maigri. Au condi. La mort ne te prendra pas. Liwa eko zoyote. Nom de Jésus. Cette chose doit partir. Elo kwane ke okinde. Il a promis. Être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Oh, oh. Sa fidélité durera toujours. Il a promis. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Pardonnez et tu seras. Limbisa pe bako limbisa yo. Amen. Oublié. Bobosa na nyonso. Et Dieu va oublier aussi ton passé. Pe bino pe, nzamba ko bosa na passé na bino. Oh, ki manzambe wapi? Où est-ce que tu peux fuir Dieu?
partout nzambe azali. Dieu est omniprésent. Father, thank you. Père, merci. Nazo se souvenir. Je me souviens. Na samedi délivrance moko. Samedi lors d'une délivrance. L'esprit m'a dit qu'il y a un homme parmi nous, il a tué deux personnes. Et pendant cette délivrance, l'esprit m'a dit qu'il y avait un homme parmi nous qui a tué deux personnes. Mais qui va se lever publiquement? Donc, avec une telle parole de connaissance, qui pourra se lever pour se dénoncer? J'ai insisté. J'ai insisté. Deux fois. Deux fois. Trois fois. Trois fois. Et je suis resté calme. Et je suis resté calme. J'ai laissé la place à lui-même de faire. Quelques minutes après. Et quelques minutes plus tard. Un homme s'est levé. Motomoko Telemaki. Et tout le monde a eu peur. Et tout le monde a eu peur quand cette personne s'est levée. Il est venu. Je lui ai dit, on va en parler dans le bureau. Parce que j'ai senti. Parce que j'ai senti la peine qu'il avait dans son cœur. Et dans le bureau, il s'est présenté avec son épouse. Après la prière. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu as tué ces gens? Il avait tué une juive. Avec son copain. Le copain de cet homme qui s'est présenté. Il a tué un de ses amis donc. Parce que son copain avait arraché cette juive, l'avait arraché cette juive. Alors, et il avait de la peine. Ils dormaient tous dans la même maison. Et c'est comme ça que le revolver a Et c'est comme ça qu'il est allé acheter un revolver et a tué la copine et son ami. Je lui ai posé la question, pourquoi tu es venu à l'église? Mon problème, le bout, mon anga. Et il m'a dit, je viens à cause de mon problème, c'est mon ventre le problème. J'ai fui le pays où j'avais fait mon crime. Je suis allé très loin. Tous les jours, mais j'entends et je sens, pardon, tous les jours dans mon ventre, des gens bouger comme une femme enceinte et en train de sentir les contractions. Ce qui péchait l'ongueté. Si le péché n'est pas ôté dans ta vie, le péché beauté, que le Seigneur te demande restera toujours là. Si le Seigneur te demande de confesser un péché et que tu ne le confesses pas, ce fardeau, cette chose va rester toujours là. Je continue encore à appeler. Je continue à appeler. Si tu veux, tu peux passer. Si tu, si pas, tu désires, si tu te reconnais dans cet appel, tu as des gens que tu ne pardonnes pas, tu ne respectes pas tes parents. Le moment est là, viens. Ce sont des petites montagnes. Parce que ce ne sont que des petites montagnes que tu dois enlever. Tu dois ôter ces montagnes pour que tu laisses la place que Dieu t'a. Tu as des réserves en toi contre quelqu'un. Tu as des rancunes en toi. Tu as de la haine dans ton cœur contre quelqu'un. Tes prières ne passeront pas. Tes prières ne vont pas être exaucées. Ok. Pas de respect. Tu n'as pas de respect. Tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas. Ton mari, ta femme. Oto sakamwa sinote oto saramobali. Tes yaya, tes aînés. Tu ne respectes pas tes aînés. Toi-même, tu sais comment tu es méchant. Toi, tu es conscience. Tu es consciente de ta méchanceté. Le Seigneur veut nous laver. Nzambanga sukola la simple prière, ça c'est la guérison. Le Seigneur veut nous laver par une simple prière. C'est ça la guérison. L'orgueil doit tomber. L'orgueil en toi doit tomber. Si tu sais que tu as quelque chose comme ça et tu restes là, je t'en supplie de te lever, respecter le Saint-Esprit. Et si tu connais dans ton cœur que tu as ces comportements, mais tu restes assis dans la salle, je te supplie, respecte le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour vous humilier. Cet appel n'est pas fait dans le but de vous humilier.
déclarer une parole. Mais je voudrais déclarer une parole. Cette méchanceté là ne se tient. Je voudrais déclarer une parole pour que cette méchanceté ne te suit plus. Et ta vie ne sera plus la même chose. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Évangéliste. Évangéliste. Tu peux les aider dans la prière, non? Okoki ko sunga bango na libondeli. L'air évangéliste a ce bon de la chicot. Quand l'évangéliste se mettra à prier maintenant. Pour répéter. Répéter les paroles qu'il va dire. Amen. Amen. Pour répéter venant du fond de votre cœur. Et répéter ces paroles venant du fond de votre cœur. Pour répéter en moi. Répéter ces paroles. Pour croire. Et croyez. Répéter, tel que vous êtes en train de répéter ces paroles. Que le Seigneur vous écoute. Et quand nous allons sortir de ce lieu, si tu as quelqu'un que tu avais fermé dans ton cœur, que tu ne pardonnais pas, tu as déjà pardonné cette personne ici dans la salle. Est-ce que vous comprenez cela? Quitter la salle, si cette personne avec qui tu ne te parlais pas est ici dans la salle, va voir. Salue-le. Et si la personne refuse, séparation, divorce, na mari de nuit, na mari de nuit de kotonga, na mari de nuit de haine, tout divorce. Sépare-toi, divorce avec ce mari de nuit de commérage et ce mari de nuit de problèmes. Amen. L'évangéliste va nous aider et l'évangéliste nous allons... Mais je sens dans mon esprit ici dans la salle il y a encore quelqu'un ici. Azab, peut-être deux ou trois personnes vous zawana, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous pousser. Mais quand même, je vous donne cet accès-là. Je sens dans mon esprit que dans la salle, il y a encore deux ou trois personnes qui sont dans ces cas que je viens de citer. Je ne peux pas vous forcer, mais Dieu vous donne cet accès de venir prendre le pardon. C'est comme quelqu'un a dit que nga jamais, j'ai déjà juré. Et c'est comme si quelqu'un a dit, moi j'ai déjà juré, je ne lui adresserai plus jamais la parole. God. Mon Dieu. La Bible dit ce que zo kamungongo o ko endurcir cœur na. La Bible nous dit si tu entends cette voix n'endurcis pas ton cœur. Chaka kakara bochekere andarabaka. Passe devant ma fille. Le Saint-Esprit nous appelle. Moli mo santu ndazo benga biswawa. Même si vous avez une déception. Même si tu as une déception amoureuse. Et ça l'a choqué. Cette déception t'a blessé. Bien qu'on a bien. La toi, personne continue mal. À bien vivre, mais toi tu gardes de la haine dans toi et en toi, pardon. Et cette haine que tu nourris a créé des blocages dans ta vie. Toi viens te débarrasser avec cette petite. Viens te débarrasser de ces problèmes. Mais Dieu va faire. Nzamba osala. Hey, si tu sais, tu as même à l'intérieur. Je voudrais poser une question. Mais il y a qu'à pour pardonner na mon témoignage. Passe devant. Bon, il faut pardonner depuis ton cœur. Et toi, tu dois. C'est pas le fait que tu t'es retiré de la personne que tu as pardonné. Toi, tu dois pardonner cette personne de ton cœur. Donc, quand tu te déplaces pour venir ici, et tu es en train tu te de briser et que tu viens ici, tu es en train de briser de les dévoiler liens, et de briser l'orgueil, tu es en train de briser la méchanceté. Rien que le déplacement. Tout ce déplacement que tu es en train de faire montre que tu brises l'orgueil, tu brises la méchanceté. Vous me voyez moi comme Tony, un être humain. Vous entendez Tony parler. Mais vous ne voyez pas le Dieu qui vit dans cet homme. Bino, boyebite moto, nzambazana katia moto. Celui qui vit dans cet homme, c'est celui qui vous appelle. Dans cet homme, c'est cette personne qui est en train de faire cet appel. Le Saint-Esprit nous lave. Lève-toi, maman. Lève-toi. Il faut pas hésiter. Lève-toi, maman. N'hésite même pas. Passe devant. Vous savez, vous voulez quoi? Qu'un prophète puisse venir ici, commence à prophétiser toute ta vie. Tu as fait ceci, tu veux. Non. C'est une opportunité. Et si ça restait un jour? Et s'il ne te restait plus qu'un jour de vie?
Mais c'est la grâce. Ngolo nzamba pesi biso ya ngoyo. Tu as quitté Olongwe. Na nyongo na ngambu. Tu vas quitter une charge, un problème qui te retenait. J'ai parlé. Na lobby. Ceux qui ont accepté, ceux qui ont accepté le message sont passés devant. Merci Père. Merci Père. Quel évangéliste nous aide? Mopandi sangwal asunga biso. Et nous répétons prière au Yakopé. Répétons la prière que l'évangéliste va faire maintenant. Mais vraiment et où tu as du fond. Mais du nous cœur. N'allons pas répéter de nos lèvres, ça doit être répété confession du fond de nos cœurs. Démon à vie sans offenser. Confession va chasser les démons de ta vie sans même faire beaucoup d'efforts. Et beaucoup de malades seront guéris et sans faire des efforts. Babeli et belé bakobika ba osala makasité. Vous m'attendez? Bonsoir Kanga. Oui, évangéliste, ok. Si nous pouvons mettre nos mains, tous qui sont là devant, mettons nos mains sur nos cœurs et répétez après moi. Père, merci. Parce que tu me donnes l'occasion de pouvoir me repentir. Tu m'amènes sur un chemin. Pour que je sois libre. Papa, je me présente à toi. Papa, je me présente. Parce que tu as vu mon cœur. Parce que tu as vu mon cœur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pour ce que j'ai retenu dans mon cœur. Pour ce que j'ai retenu dans mon cœur. Qui a constitué un obstacle. Qui a constitué à ma prière. Dans ma prière. Papa. Papa. Toi, tu y as pardonné. Toi, tu y as pardonné. Mes péchés. Tu as ôté mon fardeau. Mais moi, je refusais ce fardeau à mon frère et à ma sœur. Voici maintenant, je viens répandre, je viens déposer ces fardeaux devant tes pieds. Rends-moi libre, rends-moi libre, rends-moi libre. Et je te demande, papa, que les bourreaux qui étaient tout autour de moi, qui m'est dérangé, qui m'est tracassé à cause de ce manque de pardon, puisse s'en aller. Parce que toi, mon Père, tu m'as accordé le pardon. Allège mon cœur. C'est toi qui as dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Moi, je vous donnerai le repos. Papa, je viens devant toi à cause de cette parole. Accorde-moi le repos. Accorde-moi la paix. Lave mon cœur. Purifie mon cœur. Et accorde que des gardes soient tout autour de moi, dans mon cœur, pour que je ne me retrouve plus dans cette situation. Accorde-moi un cœur de pardon. Papa, je te dis merci parce que Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Je prends l'engagement, papa, de ne plus y revenir. Merci, Seigneur. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père, oh Père, répands ton esprit dans ma vie. Dans ma vie. Que ton esprit me transforme. Que ton esprit me transforme. Me donne la force, me donne la force d'aimer et de pardonner. Et de pardonner. De prier pour mes ennemis. Père, merci. Au nom de Jésus. Oh Jésus.
Commence à recevoir le Saint-Esprit en toi et sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Tata, Père, merci. Merci. Merci, Tata. Merci, Père. Ton dimio pardonné, Abisso. Nous croyons que tu nous as pardonné. Place pardon Zali guérison Zawana. Là où se trouve le pardon, se trouve aussi la guérison. Merci, Tata. Merci, Père. Ton dimio pardonné, Bisson. Oui, nous croyons que tu nous as pardonné. Pengai mombonayo. Et moi, ton serviteur. Namemi bato liboso tronayo. J'amène ces hommes et ces femmes devant ton Nanga trône. Nabango. Moi, ensemble avec eux. Na église mobimba. Et toute l'église. Changez biso bilamba. Change-nous nos habits. La tcha biso bilamba pembe. Donne-nous des habits blancs. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ezana batu musu bazali a vraiment volonté na ezali na pardon na mais le cœur n'arrive pas à lâcher. Il y a des gens parmi nous qui ont la volonté de pardonner, mais leur cœur n'arrive pas à lâcher ces gens de leur cœur. Ils sont ici devant. Ces gens qui sont ici devant. Bazawa liboso. Ces gens sont déjà ici devant. Donc, balakisi ke baza na posa ou pardonner, mais le cœur est encore lourd. Vous avez montré cette volonté, ce souhait de pardonner, mais vos cœurs restent lourds. Que le Saint-Esprit, Molimo Santo, par le marteau de sa parole, na elambaya maloba na ye, na marteau ya liloba na ye, par le marteau de sa parole, ma kadene wane bukana, que ces
cadenas soient brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces cadenas soient brisés. Que ces cadenas soient brisés. Reçois un cœur nouveau. Recevez un cœur nouveau. Ma banga et boukana. Que les pierres soient brisées. Reçois un cœur nouveau. Recevez des nouveaux cœurs. Besoin guérison et cœur. Recevez la guérison des cœurs, du cœur. Besoin pardon. Recevez le pardon. Le Seigneur nous a pardonné. Parce que le Seigneur nous a pardonné. Acceptez ça du fond de vos cœurs. Bon zimayango na mozindo ya motema na bino. Et soyez transformés. Pebo bongwana. Par la puissance du Saint-Esprit. Nanguya ya molimo mosanto. Et recevez le don de foi. Pebo zwali kaboya kontima. Que le don de foi vienne en vous. Encore. 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 Prenez ce don de foi. Bozoali kaboya konsima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et soyez transformés. Pe bobongwana. Ce que tu avais perdu. Oyo bungisaki. Ce que tu avais perdu. À cause ya kilowana. De ce poids que tu portais. Na bengi yango à l'existence maintenant dans ta vie. J'appelle cela à l'existence maintenant dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Soyez guéris. Bobika. Âme na bino soit guérison. Que votre âme soit guérie. Esprit na bino soit guérison. Que votre esprit soit guéri. Corps n'a besoin soit guéri. Et que votre corps soit guéri. Ma couple n'a besoin soit guéri. Que vos couples soient guéris. Ma finance n'a besoin soit guéri. Que vos finances soient guéries. Ma projet n'a besoin soit guéri. Que vos projets soient guéris. Au nom de Jésus. Ma boutou n'a besoin soit guéri. Que vos nuits soient guéries. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour n'avoir oh, basali katuna Yesu Christo. Plus de condamnation. Condamnation esasouté. Plus de condamnation. Condamnation esasouté. Soyez purifié. Bos sokwama. Sanctifié. Bosa sanctifié. Libéré. Bo kangolama. Il en bas la malédiction longwa. Que le manteau de malédiction vous quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bola ta bénédiction. Soyez revêtus de bénédiction. Bola ta grâce. Soyez revêtus de la grâce. Bola ta faveur. Soyez revêtus de la faveur. Bola ta esprit. Soyez revêtus de l'esprit. Bokoma ba esprit. Devenez des esprits. Na katne esprit encore. Dans l'esprit du Seigneur. Et soyez libre. Et bosa la libre. Oh my God. 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 Oh mon Dieu. Que la malédiction quitte. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jesus. Oh Jésus. Que le Seigneur pardonne aussi bateau nion ce basela qui bino mabe. Et que le Seigneur pardonne aussi ceux qui vous ont fait du mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu. Ngolo nansambi. Et à l'école nabino. Que la grâce de Dieu vienne sur vous. La bénédiction. Que la bénédiction. Et à l'école nabino. Vienne sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un souffle nouveau. Mon pépé Asika. Nabo moyenayo. Un nouveau souffle dans vos vies. Un esprit nouveau. Un nouveau. Molimo yasika. Un esprit nouveau. Molimo yasika. Un cœur nouveau. Motema yasika. Jesus. Jesus. Il y a quelque chose qui se passe à toi, mon fils. Et ça, c'est le mot que nous avons dit que nous avons dit. Ta vie ne sera plus la même chose. Que ta maman te pardonne. Maman et que tu pardonnes yo. Aussi ta maman. Et ton maman papa. Olimisa papa papa na yo. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Sois pardonné. Limbisama. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Sois pardonné. Limbisama. Et sois béni. Pepa mbama. Tu sais ma fille. Oyebi mwananga. À cause de cette chose qui t'a amené ici. Kolo yali kambo ememio awa.
ta vie était vraiment bloquée. Mais aujourd'hui, tu es libre. Dans le nom de Jésus. Amen.